Bismillah, salam alaikum, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Merci d'être là. Voilà, on commence cette semaine par deux légendes de la musique guinéenne, deux monuments. Voilà, tous des descendants de Djeli, des artistes qui n'ont jamais, jamais, je dis bien jamais, jamais été à la rue pour courir derrière des hommes politiques. Ils n'ont jamais fait. Mon artiste de toujours, Petit Kanga et Mamadi Kamisoko Mohamed Azaya, vous savez, cette vidéo fait buzz sur la toile parce que ce week-end dernier, il y a eu un live spécial à l'échangeur où ils ont prodigué des conseils à celui qui dirige aujourd'hui la Guinée. Voilà. Iganto Yerero. Aussi simple que ça. Parce que hier, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu es là. Sache que demain, tu ne seras pas là. Avant toi, il y a eu des gens qui étaient là, qui dirigeaient. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus là. Mais bon. Comme on dit, le pouvoir rend aveugle et encore plus loin, le pouvoir rend fou. On va écouter ces deux légendes de la musique guinéenne et puis on va rajouter ceci dessus. Ils ont seulement prodigué conseil parce que eux, ce sont des vrais djeli. Aussi simple que ça. Mais pour ces détails, on va écouter après, je vais revenir. S'il vous plaît. Merci de relayer, de partager parce que le palais déjà est rentré au courant. Donc, on va continuer à taper sur ça parce que ces deux monuments, ces deux légendes de la musique guinéenne ne sont pas, voilà, des petits pois de la musique guinéenne. C'est ça la vérité. Ikananina, Koroke, Ikananina de Iafanye,
Sauf j'ai des larmes, tellement que c'est touchant. Deux légendes de la musique guinéenne, deux monuments de la musique guinéenne. C'est pas parce que, voilà, eux aussi ne peuvent pas faire comme certains. Ils peuvent aussi aller profiter, prendre leur part, comme certains. Voilà. Dounien, fefe mounana moulengima. Dounien. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de chanter, ceux qui sont même en train d'insulter, vous serez là devant l'histoire. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Vous serez là devant l'histoire. Qu'Allah nous donne santé, longévité, prospérité. Aujourd'hui, parce que vous pensez que le gars, il a fait un pacte avec Dieu, et que Dieu lui a déjà donné 100 ans de pouvoir. Durant toutes ces 100 années-là, vous, vous allez rester. Mais vous oubliez que même s'il va faire 100 ans, après 100 ans-là, il va quitter. Et vous, qu'est-ce que vous allez dire au peuple? On a iré biri. 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 Vous finissez. Yelibara, Menge Kobira. Après, on va falloir artiste du peuple. Obirin. Nere Birin Segisa Mamadi Dumbuyabe. Je suis même dépassé. J'ai vu banlieusards qui ont chanté. J'ai vu quel gars là, le gars là. Naran Sigif. Arasigi Yonwiki. Comment il s'appelle? Django. Parce que Pé. Et la somme en politique, pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Et grâce à son politique, et grâce à ce qui s'amène, pour arriver à un gars, c'est un gars, c'est un gars, c'est un gars. Au moins, le peuple a un gars, il y a un problème, il y a un mais le peuple a un gars, il y a un coup d'état, il y a un gars, il y a un gars, il y a un toro, il y a un safé, il y a un toro, il y a un toro. Mais wa mato bori roro kianere, comment le pays est serré, les travailleurs ne sont pas payés, mais Kobiri Minifé a sauvé mouvement de soutien ira, les gens sont en train de défendre partout al colonographe là la continuité pendant que les vrais problèmes du pays ne sont pas réglés, sont loin d'être réglés, dépenser à bafé et bara mere bengin dunia ire birin.
pour tenter de tuer tous ceux qui sont en train de t'exposer les vraies réalités, les injustices, les enlèvements, les tueries de cette transition aujourd'hui. Nafam, financièrement, nanana. Les gens qui sont partis dans les différents pays limitrophes de la Guinée, le Mali, le Sénégal et autres, États-Unis, Europe, Enere Benyeng, Erasa Moumfara, financièrement, nanana, Rambira. Tout ça pour ne rien. Parce que, à la Moumoumfi, Mahoma, on est en train de défendre le peuple. Mon anon dit dans Fari, itana fala mon bébé, aïe mou présenté ma, itana fala mon bébé, un grand membre du gouvernement, nous y a clan CNR, amé yo ma présenté ma. Horo mengen de nanouna. Et puis la Guinée a problème, nous mbogbete a problème Kirimara. Le problème guinéen est à part. Khali yi, parce que tout ce que vous êtes en train de faire au Katafene, au Radengi, décembre 2024, même si vous dépassez décembre 2024, Mamadi Doumbouya, si tu ne respectes pas ta parole, c'est Dieu qui va te châtier. Ce n'est pas les Guinéens, ce n'est ni personne. Parce que tu as pris ta main, tu as juré sur le Saint-Coran, tu as juré sur la Bible. Même si Dounia Birinam Menito, le monde entier sort pour dire à Mamadi Doumbouya, il faut te présenter. Mamadi Doumbouya va dire, non, je ne me présente pas parce que j'ai promis, j'ai juré sur le livre sacré de Dieu que je ne vais pas me présenter. Donc j'ai peur de Dieu. Aujourd'hui, on parle de que tu peux te présenter. On va faire sortir une charte, une constitution, là, qui va dégager charte qui était là. Aujourd'hui, tout le monde applaudit pour toi. Mais Tambaranemou, tu as oublié la partie la plus importante de ton règne, de ton pouvoir. Cette partie, c'est quoi? C'est le jour où tu as mis ta main sur le Coran. Et tu sais que le Coran, ce n'est pas de l'amusement. Tu sais ça. Que ce n'est pas de l'amusement. Alors, en effouri, en écharéliba, essaye de prendre ce chemin-là. Wallahi billahi tallahi, c'est Dieu qui va te châtier, Mamadi Doumbouya. Ce n'est même pas le peuple de Guinée. Parce que quand Dieu, lui, te châtie, tu ne verras pas une armée, tu ne verras personne. Tu vas te demander comment cela est arrivé. Et quand ça va arriver, il n'y aura même pas de solution. Parce que à l'attent, tu vas faire tout ce que tu as à faire. Dieu, il est calme, il ne réagit pas jusqu'au jour qu'il a prescrit. Quand ce jour-là arrive, tous tes féticheurs, tes marabouts que tu crois là, remuant ciel et terre, ils ne trouveront aucune solution pour toi. Il est bien préférable pour toi d'écouter ces deux légende de la musique guinéenne. C'est eux qui t'aiment. Azayala, ils t'aiment. Hein? Petit Kanya, Irafama, Yak. Parce que eux, ils ont osé, au moment que tout le monde part faire tes éloges pour prendre de l'argent avec toi, eux, ils ont osé te dire la vérité au moment-là. Sinon, eux aussi, si c'était pas des fils dignes de la Guinée, qui aussi voulaient s'enrichir et quelle manière c'est gagné enfin ça tient Mamadi Doumbouya Mamadi Itanando Mabe, ce que tu vas leur donner tu leur donnes aussi, eux aussi ils partent, mais c'est eux qui ont prouvé qu'ils t'aiment, qu'ils veulent que tu puisses sortir par la grande porte. Mais les noms maïkine ancien président ben kaina kafaina kabana mais n'amérique ou envie ifan baiki. Ok, problème mara. Mbara fala, manga bila fala rebe, mbare roui. Soronti. Wallahi billahi tallahi. Il y a 31 décembre, il y a bouchant. Il y a un chemin, ma fala fe, fa fe présente de. Il kalira al Qur'an na rabma. Na al Qur'an ne garima. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.
À très vite, Inch'Allah.